Est-ce que tu sais te mettre là, Kylian? Tu sais, regarde, tu t'appuies comme ça. Ah, je sais que t'as ton plâtre. Tu mets tes béquilles ou quoi, tu sais, tu t'appuies bien dessus comme ça. Eh bien, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Et nous sommes toujours en Bretagne. Et vous allez pas en croire vos yeux, devinez qui j'ai croisé. Un truc de fou. Attention, roulement de tambour. Bonsoir, Kylian. Salut, Kylian. Eh ouais, il est là. Kylian, c'est un abonné de la chaîne. Et en fait, eh ben, il habitait dans le coin. Et moi, c'est comme ça. Comment que ça se passe chez Jolotte? Eh ben, j'ai dit, Kylian, tu viens au mobilhome. On prend l'apéro et tout. Et on n'a pas déconné. J'ai sorti le Coca-Cola, les petits apéricubes, les cacahuètes et tout. C'est un truc de fou. Mais Kylian, il ne sait pas que je lui ai réservé une petite surprise. Il sait pas ce qui l'attend. Kylian, est-ce que tu sais ce qui t'attend? Non. Aujourd'hui, les gens, on va faire un crash test. On va faire piloter mon drone à Kylian. Non. Kylian, s'il te plaît, on va faire piloter mon drone à Kylian. Vous inquiétez pas, je vois la maman à Kylian qui me regarde de travers là-bas. Je prends absolument tout sur moi. Si Kylian crache mon drone, pour le rembourser, il devra faire les miniatures de la chaîne pendant deux ans. Deux ans, minimum, voire trois, parce qu'il est encore garanti. Je vais tout t'expliquer, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Attention, c'est un crash test, hein, parce que comme moi, même moi quand je le prends, je suis comme ça. Hein. Là, c'est Kylian qui va le contrôler. Ça va être un truc de fou. Faut pas déconner, c'est moi qui vais le faire décoller quand même. Hein. Oui. On est d'accord. Kylian, est-ce que tu as déjà piloté un drone? Non. Est-ce que tu as déjà piloté un objet volant, Kylian? Oui. Quoi comme objet volant? Un hélicoptère, mais je vais casser dès le soir. Un petit hélicoptère, très bien. On va le poser là, bien gentiment. Attention, Kylian, n'oublie pas que si tu le crashes, tu devras faire les miniatures de la chaîne pendant deux ans. Trois, parce qu'il est encore garanti. C'est oui. Kylian qui pilote. D'accord. Pas de problème. On va bien entendu déployer la manette pour Kylian. Je le sens un peu stressé. Je te sens stressé, Kylian, là. Oui, hein, ça va. On va lui faire un petit massage comme ça. un petit massage des cuirs chevelus parce que Kylian. Oh là là, qu'est-ce qu'il a une belle coiffure, Kylian. Hein. L'Oréal, parce que tu le vaux bien, Kylian. On va commencer par allumer la télécommande. Kylian, si vous le voulez bien, approchez-vous. Il reste 72% de batterie. C'est impeccable. Il reste 3 barres de batterie. C'est impeccable. C'est plus de la moitié. Ça suffira largement pour que Kylian crache notre drone. Attention, mesdames et messieurs, ce soir est un grand jour. Kylian va piloter mon drone. On va appuyer sur le bouton enregistrer. Et c'est parti, ça enregistre. On va voir les prises de vue qu'il arrive à faire. Et vous allez voir que pour un débutant, eh ben, c'est pas évident de faire des prises de vue. Je rappelle que le dernier objet volant que Kylian a piloté, c'est un hélicoptère de chez Jiffy à 9,90. Attention, ready to go GPS. Kylian, je te le fais juste décoller, après je te passe la télécommande. Je le fais décoller. Attention, c'est parti. Oula, 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 je le sens stressé, Kylian. Voilà, attention, attention. On va le faire décoller bien gentiment. Voilà, on va le faire avancer. On va le mettre là, hop. Voilà. Voilà, tranquille. Attention, mesdames et messieurs, c'est Kylian qui va prendre les manettes. Alors Kylian, je t'explique. Ici, c'est pour monter. Toujours, c'est des manettes qui sont très sensibles. Si tu veux monter vite, t'appuies à fond. Si tu veux descendre, t'appuies à fond en bas. Ou alors tout doucement. C'est très très sensible. Ça, c'est pour tourner à gauche. Voilà, tu vois que la caméra elle tourne à gauche. Ça, c'est pour tourner à droite. Voilà. Cette manette-là, c'est pour avancer. Voilà, plus t'avances fort, plus il va avancer fort. Ça c'est pour reculer. Ça c'est pour aller sur le côté droit. Ça, le côté gauche. Et cette manette ici, c'est soit pour descendre la caméra, soit pour la lever. Attention mesdames et messieurs, Kylian, prends le drone en main. Je vais te demander par contre de le monter au maximum, parce que comme tu vois, il y a un avion là-bas. C'est un modélisme. Voilà, tu le montes à fond. Attention, avec ces manettes, ça c'est pour avancer. Hein. Monte plus haut, vas-y, n'hésite pas à monter plus haut. On est à 40 mètres d'altitude, tu le montes vraiment très haut. Là, tu t'en vas à l'ouest, là. Attention, Kylian, tu t'en vas à l'ouest. Attention, là, c'est pas Kylian qui a les foins, c'est moi. Hein. C'est Kylian qui a complètement le contrôle sur tout. Je ne touche plus à rien, mesdames et messieurs. Je n'ai absolument rien en main. Kylian, est-ce que ça va bien de ton côté? Oui. Oui, ça va. Je sais pas si vous entendez bien Kylian. Le micro est assez loin. On me dit dans l'oreillette que ça va bien. Voilà. Moi, personnellement, ça va moyen. Je vois comme des petits billets en l'air s'envoler, vous voyez. Ça me fait un petit peu peur, mais ça va tranquillement. Ça va bien se passer. Là, regarde, Kylian, je te sens stressé. Tu touches pas à cette manette. Celle-là, tu y touches pas. Et là, mesdames et messieurs, le drone est actuellement au-dessus de la mer. S'il tombe, c'est fini. Tranquillement. Actuellement, vous voyez les prises de vue de Kylian. Et franchement, ça va.
Et tu gères, tu prends des belles prises de vue. Tu peux prendre un peu le coucher de soleil si tu remontes tout doucement la caméra. Yes! Yes! Impeccable! Et franchement, tu te débrouilles bien. Alors, comment que ça se passe pour toi, Kylian? Qu'est-ce que tu ressens avec le drone entre les mains? Ça va. Kylian me dit dans l'oreillette que ça va. Vous ne l'entendez pas beaucoup, mais il me dit que ça va. Je le répète, on est toujours sur la pointe extrême ouest du Finistère. Et franchement, il y a un super coucher de soleil. C'est vraiment magnifique. C'est un truc de fou. À l'heure actuelle, Kylian est à peu près 400 mètres avec mon drone. J'ai un petit peu les pétoches, mais ça va bien se passer. On va y aller tranquillement. Et en tout cas, on a des super paysages. Là, je vous rappelle qu'on est juste en face en fait du camping où je suis en Bretagne. Et c'est vraiment magnifique. Kylian, est-ce que tu peux confirmer que c'est magnifique, s'il te plaît? Oui. En me disant un beau oui. Oui. Voilà, oui. Ah ouais, yes, t'es en train de filmer le camping et tout. Va un petit peu vers la gauche là. Vers la mer ou vers la droite si tu veux. Voilà. Essaye par exemple, voilà, de longer la mer. Voilà. Peut-être descends-le un petit peu. T'es à 150 mètres de hauteur là. Je répète, mais c'est vraiment très réglementé les drones en France. La hauteur maximum c'est 150 mètres. Donc je l'ai paramétré pour pas aller plus haut. Si vous voulez, dès que je lui dis d'aller plus haut, il me dit non, 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 c'est la distance maximale. Voilà, donc là tu vas le descendre tranquillement. Tu peux même le descendre jusqu'à 80 mètres. Voilà, t'es actuellement à 300 mètres. On est à 300 mètres du drone. C'est un truc de fou. Je vous jure, à chaque fois que je l'emmène aussi loin, j'ai toujours les pétoches. Alors Kylian, ça se passait comment quand t'avais conduit ton petit hélicoptère de chez Jiffy à 9,90? C'était cassé le premier jour. Enfin, Kylian vient de me dire qu'il avait cassé son hélicoptère dès le premier jour. Tu sais que t'es pas en train de me mettre en confiance là, Kylian là. Ouais, c'est pas mal là. Prends des petites prises de vue de la mer là, qu'on montre quelque chose de bien aux gens. Les gens, ils veulent voir un Kylian en forme. Ils veulent voir un Kylian qui nous fait des belles prises de vue. Voilà. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Attendez, on va filmer Kylian d'un peu plus près. Voilà. On va aller tâter un petit peu son ressenti. Kylian, dis-nous ton ressenti. Bah, c'est bien. C'est il est à 100 mètres, c'est bon, oui. 200 mètres. Voilà, prends des belles prises de vue, hein, Kylian. Hein. Voilà, donc sur la télécommande, les gens, c'est fait comme ça, en fait. Et là, c'est Kylian qui a tout entre les mains. Alors, ça va? C'est moi qui ai les pétoches, en fait. Non, ça va bien se passer, franchement, ça va. Voilà, t'es à 150 mètres d'altitude, 200 mètres, ça va, c'est cool. Par contre, ouais, vole pas trop au-dessus du camping, plus vers la mer, tu vois. Parce que tu sais que normalement, on n'a pas trop le droit de voler au-dessus des gens, tu vois. Voilà, va par là un petit peu. Voilà, tu regardes, tu fais des belles prises de drone. Et là, quand t'es au-dessus de la mer, tu peux le descendre. Ne t'inquiète pas, c'est rien, Kylian. Il nous dit qu'il a plus beaucoup de batterie, mais il peut tout à fait encore faire le travail. Kylian, comment ça se passe, ton premier bip? Comment ressens-tu ton premier bip? Bah... Ouais, ça va. Ok, d'accord. Quand j'entends des bips comme ça sur le drone, ça m'inquiète toujours un petit peu. Mais là, pas de panique, il est pas trop loin. Il bip juste pour nous dire qu'il est à 30% de batterie. Donc 30%, tu peux encore voler un petit peu, ouais. Kylian, à l'aise. Vas-y, tranquillement, fais-nous des belles prises de vue. Essaye de le descendre un petit peu, voilà. Sans aller trop loin, essaye de revenir un petit peu vers nous, tu vois. Là, t'es à 400 mètres. Voilà, va plus... plus par là, tu vois, au-dessus de la mer un petit peu. Voilà, descends-le pas trop, tranquillement. Ça va bien se passer, les gens. Ça va bien se passer. Kylian, dis-moi que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça... C'était un ça va bien se passer... Ouais. Moyen. Descends-le pas trop, Kylian, monte-le. Monte-le parce que regarde, il y a des avions de modélisme là-bas. Monte-le à fond. La manette de gauche, voilà, tu la montes à fond. Toujours. 25% de batterie. On va peut-être le ramener, Kylian. Si tu veux bien, reste appuyé sur le bouton Home. Tu restes appuyé dessus. Pas celui-là. Celui-là, tu restes appuyé dessus. Toujours. Reste appuyé. Non? Ah bah voilà. Impeccable. C'est bon. Là, normalement, il devrait revenir vers nous. Je dis normalement parce que la technologie chinoise, ça peut toujours déconner. On sait jamais. En principe, à chaque fois que je l'ai fait, il est toujours revenu. Kylian, comment vis-tu cette expérience? Bah c'est bien. C'est bien, ouais. Ça va? Bon bah Kylian nous dit que c'est bien. Là-bas on a des avions de modélisme qui volent au-dessus de la plage. Il devrait revenir vers nous, il est à 200 mètres, tranquillement. Voilà, il va revenir. Regarde, on commence à l'entendre. Tu l'entends, Kylian? Oui, je l'entends. Ouais, attention, attends. Je vais mettre mes lunettes de soleil pour le récepter parce que je regarde en l'air là. Il va arriver. Il arrive. Quand je l'entends arriver comme ça, vous savez, c'est un petit peu comme un soulagement en moi. C'est comme un gros soulagement. Oui, il arrive. Kylian,
On va tous t'applaudir dès qu'il va redescendre. On va absolument tous t'applaudir. Et ça va bien se passer, Kylian. Oui. Voilà, là tu touches plus à rien. Voilà. Par contre, lève la caméra à fond. Voilà, tu la lèves à fond et tu le laisses descendre, caméra levée à fond. Voilà. Ça va bien se passer, les gens. Kylian, dis-nous un petit peu ton ressenti pour ce premier vol avec un drone. Bah, c'est bien passé. Ça s'est bien passé. Oui. T'as bien aimé quand même. Oui, sensation pour la télécommande et tout. Ça va. Ça va, ouais. Ok, d'accord. Moi, personnellement, la première fois que je l'ai fait voler, j'étais comme un fou, mon vieux. Ouais. Kylian, ça va, ça s'est bien passé. Oui, ça va. Ça va. Oh putain, il arrive. Il arrive. Il arrive, regardez, il est là. Regardez, il est là. Il est là, il arrive. Kylian, surtout ne touche à rien. Sinon, tu vas me repasser les télécommandes. Oh là, Kylian. Attends, il devrait se poser. T'inquiète pas, Kylian, tout va bien se passer. Là, stop. Attends, attends, Kylian, redonne-moi la manette, tu ne touches plus à rien. Vas-y. Filme-moi. Tiens, tu me filmes. Voilà. Je vais reprendre les commandes, les gens. On va le faire atterrir tout doucement. Je vais prendre la main dessus. Voilà. On va le faire atterrir juste ici. Il y a beaucoup de vent. Hop, 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 hop. Voilà, il y a vraiment beaucoup de vent. Voilà, on va le poser en urgence ici. Il a vraiment plus de batterie, il a la fin. Ouh, vas-y, pose-toi. Yes. Ouh, et franchement, eh. Kylian, le drone, 1,1% de batterie. Voilà. Si vous voulez bien, on va tous applaudir Kylian. Si vous voulez bien applaudir Kylian, s'il vous plaît, à table. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et franchement, Kylian, t'as géré un truc de fou. Un petit pouce bleu pour Kylian, parce que franchement, il l'a bien mérité. Kylian, t'as mérité ton pouce bleu. Hein. Oui. Est-ce que tu mettras ton pouce bleu au moins? Bah oui. On mettra tous un petit pouce bleu sur la vidéo pour le souvenir de vacances avec Kylian. En tout cas, Kylian, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer. Et moi, je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde. Au revoir, Kylian. Au revoir. Ciao. J'avais le cœur haut, en doublant les feux de Saint-Malo.